إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كما تعلمون نحن في الركن الإيمان باليوم الآخر، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي وأتينا ببعض الأدلة على وجود يوم الآخر أي يوم القيامة، والدليل الأول كان الإخبار عنه في القرآن والسنة، أي الدليل باليوم الآخر. الأسبوع الماضي تكلمنا بأدلة من الكتاب من القرآن والسنة. نعم، واليوم بإذن الله نتابع ولازلنا في الأدلة من القرآن والسنة. هذا هو يعني أول دليل، ثم نأتي بأدلة أخرى إن شاء الله بإذن الله. Alors on est toujours donc dans l'aqida, comme vous le savez, aqida al-sunna wal-jama'a ala fahmi salaf al-umma. Vous connaissez cette phrase? Vous l'entendez toujours? Vous la comprenez? Pourquoi je dis tout ça? Selon la compréhension des prédécesseurs du... Bien dit. Tout le monde peut dire, il n'y a pas un musulman qui va dire je ne prends pas dans le Coran et la Sunna. Il n'existe pas. À part le Coran, il y a quelqu'un. Mais le musulman, il te dit non, je ne prends pas le Coran par Sunna, parce qu'il prie avec, etc. Tout ça. Mais il y a un point très délicat, il faut le préciser. Le Coran, tu l'as en main. Tu sais lire l'arabe. Et la Sunna devant toi, tu sais l'arabe. Tu as besoin de quelqu'un d'autre? Et Allah Azza wa Jal nous dit. On est parti dans un autre dars. Allah Azza wa Jal, il nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Le seul qui doit être suivi, c'est lequel? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on voit, on entend Allah Azza wa Jal, il nous dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est dans le Coran aussi. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ. Celui qui s'éloigne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était fini. Allah Azza wa Jal nous dit simplement dans le Coran, celui qui s'éloigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est perdu. Mais non, Allah il ne dit pas simplement ça. Il nous rajoute quelque chose d'autre. Wa man yushaqiq ar-rasul, celui qui s'éloigne, wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin, il ne suit pas le chemin des mu'minin. C'est qui les mu'minin dans ce temps-là? Il n'y avait pas, il n'y a que des sahaba. Tous les autres, c'est des mécréants. Il n'y a pas. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal rajoute une phrase? Il suivre Sabil, le chemin des mu'minin. Les mu'minin, c'est qui à ce moment-là? C'est les sahaba. Et le prophète, dans un hadith, il nous dit, quand il dit que la communauté musulmane, ça va se diviser en 73, on lui pose la question, c'est laquelle qui sera sauvée? Ma ana alayhi. C'était assez, non? Ma ana alayhi. Le prophète, il dit, ce que je fais, vous devrez faire ce que je fais. Non, il dit, ma ana alayhi. Wa ashab. Et mes compagnons. Il n'y a rien à faire. Et dans un hadith, il nous dit encore خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ. Trois siècles. Comme musulman, je ne dois pas essayer de comprendre le Coran et la Sunna sans voir qu'est-ce qu'il a dit le prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit tabi'in, qu'est-ce qu'ils ont dit tabi'in. Et alors on dit ala fahmi, fahmi, la compréhension. Parce que dans le manteau, comme il faut, je peux dire une parole maintenant. Est-ce que quand je vais parler maintenant, vous allez sortir et vous avez tous compris la même chose? Eh non. Chacun comme il va comprendre ma phrase. Mon explication, vous n'allez pas le comprendre de la même manière. Et vous pouvez même avoir une discussion, une divergence d'après ce que j'ai dit. Mais la parole est une. Le but est une,
ce que je voulais dire, c'est un seul. La parole, c'est une seule. Mais la compréhension, il y en a plein. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, et Allah azza wa jalla, il a parlé, c'est al-mantour, ce qui a été prononcé. Mais la compréhension, elle te dit, attends, ma parole de prophète va arriver chez vous. J'y ai au siècle, les autres. Mais n'essayez pas de comprendre vous. Suivez simplement ce que les compagnons ont compris. À la fahmi, salafil umma. Ok? Alors on est dans l'aqida de al-sunnah wal-jama'a, d'après la compréhension des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça, tu frappes tous les goûts. Tous les groupes, n'importe qui soit chiite, qui soit murji'i, qui soit khawariji, n'importe qui. Ah tiens, le ayah, le verset, il dit. Comme ça, ils l'ont expliqué les compagnons et les tabi'ins, non. Mais j'ai un hadith, il est bien clair. Ils l'ont comme ça expliqué les compagnons, non, c'est pas comme ça. Ben voilà. Tire-toi. À la fahm et salafil umma. Très important, hein. Alors, ici, on va suivre les arguments, donc, de le jour du jugement, Yom al-Akhir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de ce jour, le dernier jour, le jour du jugement. Il nous a parlé du paradis, de l'enfer, dans Laylat al-Isra, ou le Mi'raj, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est monté aux cieux. Il a vu avec ses yeux. Maintenant, qui nous parle maintenant? C'est deux choses. Il nous parle un prophète, un messager, et on est tous d'accord. Au départ donc de l'Aqida, on a compris que notre cerveau, il a accepté cet homme-là comme il est véridique. La base de toute cette connaissance, cette croyance, la base c'est quoi? C'est naql ou l'aql. L'aql. Le premier qui a fait le pas, c'est la raison. Et après, la raison, il dit, tiens, cet homme-là, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tout d'un coup, l'aql, la raison, il dit, bon, maintenant, tu vas te calmer. Quand cette personne parle, qui toi t'as compris ou t'as pas compris, tu te soumis. Ou alors, ma raison, au départ, elle s'est trompée. Et si c'est trompé au départ, ben il se trompe aussi tout le temps alors. Ma raison, il m'a dit que cet homme-là, il ne ment pas. Tout ce qu'il te dit, c'est la vérité. Khalas. Il vient me raconter que lui, il est monté au ciel. Khalas, il est monté au ciel. Mon cerveau, il est monté au ciel. Ça fait combien de siècles qu'il va faire pour arriver rien qu'au premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. C'est des millions d'années. Et quelle vitesse? La vitesse de la lumière, la vitesse du vent. Mon cerveau, ma raison, calme-toi. C'est le véridique que tu m'as dit? Oui, ben là, c'est tout. T'arrêtes là. Khalas. L'aql fil l'oul, qal li hada ar-rajul ma kaykdebchi. Khalas, ma kaykdebchi. Akad ma kaykdebchi. Bil adilla. Ou ma'rouf. Chi haja qal li hada ar-rajul li amant bi annahu ma kaykdebchi, annahu tla'a al-sama. خلاص طلع السماء وشحال دار من السنين وشحال كذا وكذا وكل العقل ديالي والفهمه ديالي غير جلس ترانكي راه في البدايه انت اللي قلت لي هذاك الرجل ما كيكذبش الا ما كيكذبش وقال لك راه طلعت السماء طلع السماء خلاص انتهى الامر الان النقل مقدم على العقل ولكن في البدايه الامر شنو كان العقل. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, même s'il n'a pas vu, la révélation descend, il lui explique ce qu'il y a dans le paradis, etc. C'était assez. Et maintenant, ça passe simplement la révélation qu'il a vue avec ses propres yeux. Alors quelqu'un qui a vu avec ses propres yeux, il nous explique ce qu'il y a là. D'ailleurs, Jibril alayhi salatu salam, quand il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? An tu'mina al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wa bil yawmi al-akhir. Tu dois croire en Allah, en ses anges, qu'on a parlé, qui sont passés les dorus pour ça,
wa kutubihi, ses livres, wa rasulihi, ses messagers, wa liyawmil akhir, le dernier jour. Parce qu'après, il n'y a plus donc de jours, ça ne compte plus. Fini, comptage de temps, ça n'existe pas, c'est arrêté, fini. Il n'y a pas que j'ai passé 2 ans au paradis ou j'ai passé 2 ans à l'enfer. Non, il n'y a pas de 2 ans, ni 3 ans, ni rien. Il n'y a plus de temps. Fini. Le zamin s'est arrêté. Le dernier aujourd'hui. Alors, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la même chose, la parole d'Allah, azzawajal, nous a parlé donc de le jour du jugement. Hein, il appelait le bahth, la récitation. Alors, se ressusciter, ou al-hashr, ou al-mawqif, être debout pour être questionné, ou al-hisab, ou al-sirat, ou al-mizan, ou al-jannah, ou al-nar, tout ça nous a expliqué, ça sera le jour du jugement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, il dit, tuhsharuna hufata ghurlan, a'ura, ghurlan. Vous allez être ressuscité et regroupé nu. Même la peau de circoncision est là à sa place. Aïcha radiallahu anha, comme on avait dit, il s'est posé la question, on sera tous nus ensemble. Le prophète, il dit, Al-amru a'zamu min dhalik. La situation est plus grave. Hein? La situation est plus grave. Vous avez vu quand il y a un tremblement de terre et la personne elle est en son pyjama, etc. Attends, je vais arranger ma cravate et ça court. Ah, il y a une femme nue là. Quelle femme nue, quelle femme nue, qui a rien. Sauf ma peau. Alors là, c'est un petit tsunami, un petit tremblement de terre. Mais alors là, sur un terrain que tout le monde est là, des millions et des milliards de gens. Il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe? On est endormi pendant une demi-heure, une demi-journée. Tout là, depuis que mon âme est sortie, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était hier, c'était un 2 jours même. Et là, je suis debout. Je crois qu'il y a encore à voir. Non? Fini. Al-Rijal wa al-Nisa yandurun ba'duhum ila ba'd, faqala al-amru ashad min an yuhimmahum dhalik. Yani al-Nas radi hashru ariani. Wa Aisha kat'ajib ariani ya Rasulullah. Al-amru aham min dhalik. واش غادي يفكر الانسان بديك الشيء كلشي ديك الحياه وديك ديك الشهوات نتاع الدنيا ما يقدرش يفكر فيها هذا الا وقع غير زنزال صغير ولا وقع شيء لاخر كتجبر الناس كيخرجوا من الديور ديالهم عرياني فما بالك ديك اليوم كذلك Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثُمَّ يَنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَيُنْبِتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ. Alors, vous voyez la création d'Allah Azza wa Jal, ils vont ressusciter comment ces gens qui sont morts des siècles et des siècles et des siècles, et celui qui vient juste de mourir. Ben Allah Azza wa Jal, sur ce globe, sur sa terre, sur cette petite planète-là, ah, vous voyez déjà la planète, on a parlé au début de Doros. Sur le goût, notre planète, nous, dans l'univers, là, n'existe même pas. Un grain de sable dans plein désert. Ça, c'est notre planète. Allah Azza wa Jal fait descendre une pluie sur sa terre, là. Et les gens sortent de leur tombe comme il y a une plante qui pousse. Tu vois une plante qui est sèche, hein, un grain. Petite pluie commence à pousser, il sort donc. Comme ça, ça va se faire des cadavres, il est mort. Et ça aussi. Et même ceux-là qui sont échectés, ça ressemble, ça regroupe. Fayan boutouna kama yan boutou l'bakl. Kala laysa min al-insan shay illa yabla. Illa azman wahidan wa huwa ajbu al-zanab. Wa minhu yurakabu l'khalqum yom al-qiyama. Le hadith muttafaqun alay. Tout va être anéanti. Les os, tout. Abîmé, il n'y a plus rien. Rien, tout est disparu. Simplement un petit grain dans la colonne vertèbre, mais tout à fait en bas. Coccyx. Mais le coccyx, c'est le dernier là. Mais non, c'est la pointe.
Et en plus, tu ne peux pas le voir avec l'œil, avec une, comme ça. Il faut un grand microscope pour voir cette pointe-là, cette graine qui est à l'intérieur. Dans l'os, tout à fait. Et c'est de là qu'il va se repousser toute la personne. La seule, elle ne sera pas abîmée, ni cassée, ni rien. C'est une petite graine, un petit atome. On ne le voit pas avec les yeux comme ça. Il faut vraiment la grandir à 10 000 pour la voir. Hein? Il y en a des gens qui disent que des scientifiques qui ont fait les tests, est-ce que c'est vrai ou pas vrai là, là? Parce que quand on lit des trucs comme ça, ça quoi au Japon, on a pris ça de grain, on a essayé de la brûler, etc., de la casser, c'était pas possible, etc. Tout ça. Mais nous, on ne nous intéresse pas, alors il a fait le test ou il n'a pas fait le test, etc., etc., et tout ça. Même s'il l'aurait abîmé, on l'aurait dit, c'est pas celle-là. Ah. C'est aussi simple. Ah, je l'ai cassé, je l'ai brûlé, c'est pas celle-là, alors. Quelque chose d'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de l'mizan, la balance qui sera pour peser les actions, les bonnes actions et les mauvaises actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ma shay athqal fil mizan al mu'min yawm al qiyamah min khuluqin hasan. Ici on voit bien dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de la balance qu'elle sera présente pour peser les actions. Et là, quand on dit la balance, c'est quel genre de balance? Ben, la balance avec les deux plateaux et tout ça, hein, ce que pesaient les actions. Oui, on a des hadiths que les actions seront vraiment, ils auront un corps. On connaît le hadith, quand la personne il serait dans sa tombe, le hadith de Bara ibn Azib, il sera dans sa tombe, il y a un homme qui vient dans la tombe. Il est beau, etc. Il lui dit, c'est qui toi? Il dit, moi, c'est tes bonnes actions. Les bonnes actions vont venir en personne, t'accompagner. Et l'autre là, un vilain, un sale, pieux, etc. C'est quoi? C'est qui? Je suis tes mauvaises actions. Allah Azza wa Jal va construire toutes ces actions, va leur donner un corps, un poids. Alors, on voit bien plusieurs ahadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa yudrabu jisru jahannam » Jisr, le pont qui sera sur l'enfer, al-iyadu billah. فأكون أول من يجيز ودعاء الرسول أو الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبها كلاليب مثل شوك السعدان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il nous parle donc de pont qui va être mis sur l'enfer, et le premier qui va passer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la parole du prophète c'est sallim sallim. Oh Allah, préserve-nous qu'on passe. Alors, sur les deux côtés, il y a donc comme un genre des épines, mais des grandeurs inimaginables. Hein? Hein, ça bouge, ces épines-là, comme parfois on voit dans les films, là, dans les forêts, il y a certains plantés, comme des et tout, te ramasse. Ben, c'est ça. Des grands plants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais tu ne peux pas imaginer la grandeur de ces épines-là. Il arrache la personne. Il essaie de le faire tomber. Et chacun sera griffé ou sauvé d'après les actions. Beaucoup d'actions, tu seras un peu blessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y en a qui vont passer vite, comme un éclair. Il y en a qui vont passer comme un cheval. Il y en a qui vont à quatre pattes. Il y en a qui seront terrés vers le bas. Wal qantara kadhalik, idha khalasa. المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة الجسر بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. Et alors sur le pont, il y a une autre à la fin, il y a un petit pont encore là, entre le paradis et l'enfer. Les gens qui sont sauvés, ils ne sont pas tombés dans l'enfer, ils seront encore questionnés. Pas questionné, parce qu'il y avait des litiges entre les deux personnes qui vont rentrer au paradis. Deux musulmans. Ils sont sauvés donc de l'enfer. Ils ont passé, mais tout d'un coup ils s'arrêtent. Ils ne peuvent pas rentrer. Tu avais un litige avec ton frère. Il faut arranger le compte maintenant, parce que pour rentrer au paradis, il faut être purifié. Pas un péché qui te reste. Et là, les comptes seront les comptes, etc. Et tout ça, ces comptes-là, ça a un degré de paradis où tu vas, etc. Et tout ça.
Et quand ils seront purifiés, alors on voit bien ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de tout ce jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la ahaduhum bi maskanihi fi al-jannah adallu bi manzilihi kana fi ad-dunya." Le hadith rawahu al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: quand tu rentres au paradis, il n'y a pas un guide pour te dire voilà ta demeure, voilà ton château, voilà tes buildings, voilà ton... Non, tu connais ta maison, tu parles directement. Allah Azzawajal te fait un ilham, chacun y part. On dirait que tu habites là déjà des années et des années. Personne ne te guide, chacun part vers ce qu'Allah Azzawajal lui a donné. Deuxième argument. Là, c'est l'argument d'un musulman. Hein, ce qu'on a présenté au départ comme argument qui parle du jour du jugement, c'est l'argument de l'Kitab ou Sunnah. Hein? Et alors, ça interpelle le musulman. Et le musulman qui parle, comme on a dit tantôt, al-naql muqaddam ala al-aql. Il y a certains musulmans qui te disent: je crois à la parole d'Allah Azza wa Jal, je crois au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dépend. Si je le comprends avec ma raison, je l'accepte. Si je ne le comprends pas, je le rejette. Est-ce que c'est un musulman celui-là? C'est pas un musulman ça. On ne parle pas de ceux-là qui disent Qur'an yun, on fait simplement avec le Qur'an. Malheureusement, il y a beaucoup de gens maintenant, ils sont en train de parler de quelque chose là, parce que les gens, les ennemis de l'islam, quand ils ont commencé à parler directement de le Coran, ils n'ont pas su arriver à quoi que ce soit. Difficile de dire à un musulman, le Coran c'est nul, impossible. Alors ils ont essayé, maintenant ils ont un peu descendu des tiens, peut-être on s'est trompé, on a été trop loin directement d'un coup, on ne peut pas secouer un musulman comme ça. Et alors ils ont commencé de l'échelle un peu plus bas, bah encore, c'est simplement de dire que les compagnons, c'est des hommes, ils peuvent se tromper. Et que les compagnons sont bagarres entre eux. Hein. Que les compagnons, ils ont des haines entre eux. Hein. Tout d'un coup, pour te faire douter, par exemple, d'un compagnon. J'en connais un sur l'internet, le Paltalk, qui s'appelle Assou. Du côté de Scandinavia ou quelque chose comme ça. Il dit, Abu Huraira, c'était quelqu'un qui fait donc le monde, qui fait la charité, le monde de l'argent. Il avait un sac plein avec des hadiths. Quand on lui donne quelque chose, il leur donne un hadith. Comme ça. Alors, tu as des gens, des musulmans, ils te disent, je prie, et tout ça. Mais le hadith, tu sais, il y a beaucoup donc de... Il y en a qui dit sahih, un autre dit da'if. Alors, on laisse tomber les hadiths, commencer de plus bas. Toucher aux compagnons. Touchez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous passez ce stade-là, alors vous pouvez arriver à son Coran. Pourquoi le Coran? Vous pouvez arriver. Parce que qui a transmis le Coran? Ce n'est que les compagnons. Les compagnons qui ont transmis le hadith, c'est eux-mêmes qui t'ont transmis. Alors, si on doute des compagnons, ils ont transmis quelque chose dans le hadith qui ne tient pas avec ma raison, la même chose, tu vas dire ça dans le Coran. Qui a dit cette parole-là? C'est les compagnons. Ah, ben alors, ça se peut aussi qu'il y ait un problème dans le Coran. La même chose, tu trouves des gens qui sont musulmans croyants. Ils touchent à Muawiya, radiyallahu anhu. Muawiya, oui, il était roi, c'était pas... Même il le saute, il dit à Omar ibn al-Aziz, c'est le cinquième khalifa. Quatre khalifas, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Omar ibn al-Aziz. Cinquième khalifa. Ou Muawiya, on le met de côté Muawiya. Quand on lui a posé la question à un salaf salih, qui est le meilleur? Muawiya radiallahu anhu, Omar ibn al-Aziz. Il dit, t'as vu la poussière dans le nez de Muawiya, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Va plus cher que Omar ibn al-Aziz complètement. La poussière qui est dans le nez de Muawiya, radiyallahu anhu. Parce que dès que tu passes Muawiya, les ulama ils disent ça c'est le sitar, c'est le barrage des autres compagnons. Tu touches à Muawiya, tu casses Muawiya, tu peux casser tous les compagnons. Regarde comment ils commencent. Pas par pas.
Alors, quand on a dit ces hadiths du jour du jugement, on parle d'un musulman. Et d'un anaya kan koulou annahul insan, had l'ahadith li jibna l'an, ahadith l'iman bil yawm l'akhir, adkarna fiya ahadith min l'kitab, min l'Qur'an, ou l'sunna. Lakin had l'dalil, l'mun, l'dalil l'muslim li ke amen, li ke amen bil Qur'an, ou ke koul sami'na wa ata'na. Ma ke koulchi la l'hadith ma jashim al hawa diali, ou l'aql diali. حكى يقول واحد فلذلك الناس كاينين الناس مسلمين كيصلي وموجودين عندكم تغلطوا فيهم موجودين كيصلي معاك في المسجد كيصلي وكيحب الإسلام وكيدافع عن الإسلام لكن كيبدا يدير شي حالات في الحديث أنه الحديث فيه ضعيف وفيه صحيح وواحد ضعف واحد صحح وعلاش ما نديروا واحد الحاجة سهلة ها نخليو الحديث ونديرو غير بالقران اولا نديرو بالحديث ملي كتقول له لا ما درتيش بالحديث وكيفاش غديروا الصلاه لا الاحاديث اللي هي صحيحه وكتجي مع العقل ناخذوها ولا ما جاتش مع العقل نرميوها ويبدا لك من تحت كان هذا على السوق قال له واحد المره ماشي غير واحد المره قال لك ابو هريره كان كيسعى مسكين من الجوع في الزنقه كيسعى ابو هريره وعنده واحد الخمشه فيه الاحاديث ما نعرف كيفاش دار الخمشه فيه احاديث ولا عطيتو له شي فران كلها عاد يعطيك الحديث وقال ابا هريره هو في صحيح البخاري وهذا من كيسي هذا من كيسي هذا المجهول هذا المجرم هذا عدو الله هذا عسو هذا قرا واحد الحديث رواه ابا هريره رضي الله عنه احاديث كيتي رابورتي بار ابا هريره Et dans le hadith, il y a l'autre, il dit, c'est prophète qui a dit cette phrase, il y a une phrase, il y a un hadith, mais à la dernière, il y a une phrase, une explication. Et Abu Huraira, il dit, non, هذا من كيسي. Et هذا الجاهل, il a compris, كيسي, c'est sac, shkara. Et كيسي, en langue arabe, من فهمي, de ma compréhension, ce que j'ai compris du hadith. Il raconte le hadith du prophète, il donne un exemple ici, mais il n'a pas dit ça sur mon exemple, il a raccroché directement la phrase. Et l'autre, il dit ça, c'est l'explication aussi du prophète, il dit non, ça, c'est ma compréhension. Alors en langue arabe, il dit, « هذا من كيسي, أي هذا من فهمي. » Et « هذا الجاهل, il a compris le case, le sac. » Il parle de sac. Et j'ai fait tout à fait un dars pour lui dire, hey, « Est-ce qu'il a retenu ?» Non, non. Il y a encore deux semaines ou trois semaines, il répète la même chose. Abu Huraira, il a une caisse, un sac. Rien, parce que c'est des ennemis de l'islam. Même si tu lui argumentes, tu lui ramènes le dalil, il ne suit pas. Il ne suit pas. Il y a un dialogue, il y a un caresse de l'islam. Ou alors, il y a un chrachet, il y a un lahad, il y a un Abu Huraira, il y a un kisi, il y a un fahmi. Il y a un dazi, il y a un chrachet, il y a un chrachet, il y a راه أبو هريرة قال عندي الشكار في هالأحاديث هادو هذا ماشي عادو هذا وكيبداو لك من الصحابة أنهم هما رجال وحنا رجال ثم يبداو يضربوا في الصحابة الصحابة يبداو لك منين من معاوية رضي الله عنه باش إلا هرستي معاوية وفتحتي وقلتي نعم معاوية كان مالك ودار ولده كذا وكذا غيجي لك الصورة غير تهرس معاوية صافي كيقول لك معاوية هو ستار لباقي الصحابة رضوان الله عليه عندك دوز ديك الحدود الدليل الثاني استحالة العبث ولن نترك سدى دوزيام ارغيمون dans l'univers il est impossible de prendre cet univers avec toute la création qui est simplement un passe-temps un jeu un abath hein qu'est-ce que tu fais là Tu fais quoi? Tu fabriques la quoi? Oui. Il n'y a pas comme l'autre, il dit, tu ne sais pas faire autrement, il faisait comme ça, il dit, tu ne sais pas faire autrement, il dit oui, il a remis un dehors. Tu fais rien. Est-ce que tout cet univers-là, cette construction en toi-même, dans l'univers, dans toute cette création, celui qui a fait ça, il s'amusait, il jouait, c'était pour rien? Impossible. On va voir ça maintenant. Ça, c'est le délai.
Voilà un autre cas soudain, et qui nous-mêmes, ça est, le monde nous a crié, vous êtes là, allez, mangez, buvez, mangez, mariez, comme ça, vous mourrez, c'est fait, bravo. Toute cette construction, cette base donc, du cerveau, de la tête, de les yeux, etc., comme elle a été construite dans le ventre de sa maman, et toute cette manière-là, pour à la fin, simplement, vous êtes là, et mangez, boire, et après... Imagine, donne-moi quelque chose ici qu'il a fait pour s'amuser. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Dis-moi, voilà, tiens, c'était pour s'amuser. Eh bien, il n'y en a pas. Si ça, c'est pas pour s'amuser, alors moi. C'est bien pour un but, ça. Le câble, c'est un but, ça. Le papier ici, la table ici, le verre ici, tout ce qui est accroché, la lumière, les clous, la peinture et tout ça. Alors, non, ça n'a pas été fait pour s'amuser, pour passer le temps. Alors, celui qui a construit le micro, moi, etc., et tout ça, c'est pour passer le temps? Ça ne tient pas la route, ce que vous dites, là. C'est qu'il y a un but, là. Idem, dalil thani, wa huwa istihalat al-abath. Hada al-kawun li khalqu Allah azza wa jal, hal li insan li andu al-aql. أن الله عز وجل خلق هذا الشيء عبثا كان كيلعب وصافي يعني صور هذا الخلق بهذا التصويرة بالعينين والعقال وهذا الشيء كل شيء وكيفاش ركبوا في البطن تاع أم في الأخر صافي فقط كل وشرب ومات وانتهى الأمر هذا ياخذوا العقل فين هذو اللي كيقولوا احنا كنخدموا العقل ما هي سي جون لا كي ديزنو اون امبوا لا ريزون ويسكي لي تا ريزون دون تو سا ها صافي ما كاين والو هل كاين شي حاجة هنايا بدون هدف؟ أعطيونا حاجة هنايا جالسين هنا أعطيونا حاجة بدون هدف. ما كايناش. أي شيء إلا عندها هدف. فإذا كانت هذه الورقة غير هذه الورقة عندها هدف. اللي دار هذه الورقة كان كيلعب ولا؟ صافي دارها ورماها في الزبل. علاش درتي الورقة؟ أي دار نرميها في الزبل. درتي الورقة عندك الهدف. فإلا الورقة عندها الهدف هذا الإنسان هذا المركب هذا الشيء ما عنده هدف هو علاش كل اللي عنده القيمة أكثر الورقة ولا بنادم هاد العينين وهاد اللسان وهاد التركيب وهاد الشيء كل شيء وهاد الكون بالشمس ديالها وهاد الطبيعة كل شيء فقط ما عندها هدف كاين شي حاجة في الجسد ديالك ما عنده هدف أعطيني حاجة في الجسد ديالك ما عندك هدف يلا دوما quelque chose dans ton corps qui n'a pas de but. Une chose. Il n'y en a pas. Même les poils dans ton nez ont un but. Il y a un poil. Et même les poils sur le visage, c'est un but. Et les sourcils, et les ongles. Il ne faut pas parler le magma qui est à l'intérieur ici, à l'usine de l'intérieur ici. On en parle aussi, hein? Alors, on voit bien le dalil ici. Si on dit que ce bas monde n'a pas donc de suite après, ça ne tient pas la route. Parce que Allah Azza wa Jal, il ne joue pas. Le créateur qui a fabriqué cet univers, il ne s'amuse pas, il ne joue pas. Et si on voit dans le corps humain, on trouverait la raison que chaque chose dans le corps, vous pouvez poser la question au médecin dans le corps humain, n'importe quoi, même les larmes, même les chenoutes, ça a un but. Il n'y en a pas, même la salive, tu fais comme ça, là, ça a un but. Ça. Il n'y en a pas. Alors, comment dire qu'on meurt et c'est fini. Où est le but? Chaque chose a sa place. Chaque chose a été faite pour des raisons. Il y a une raison. Il y a une sagesse derrière tout ça. Peut-être, on ne la voit pas, nous. Hein? Beaucoup de choses, tu ne comprends pas pourquoi elle est là. Nous autres, quand on démonte un appareil, nos libres couleurs comme ça, tu vois,
Eh ben, te démonte l'appareil, quand tu vas le monter, t'as une moitié de pièce de côté, hein, ça servait à rien. Elle est... Pourquoi il a fait celui-là là-bas? Tu peux démonter quelque chose, mais tu ne comprends pas pourquoi ça a été fait, ça. Mais le savant qui a fabriqué, il sait pourquoi. Peut-être tu ne le vois pas maintenant, après tu vas... Ah, c'était pour ça qu'il l'a fait, je comprends maintenant. Plus tard. Tu vois quelqu'un, il arrive avec... il arrive, par exemple, je ne sais pas, moi, en Arabie Saoudite, hein? Il arrive avec des trucs là, des esquimaux là, qu'on habille comme ça. Et alors des patins, hein, de la neige. Ça va pas celui-là, il est fou. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais lui, non, il sait qu'il tombe la neige là. En Arabie Saoudite, il a fait le calcul. Mais il est fou celui-là qui... Et tout d'un coup, il y a la neige. Ah, j'ai compris pourquoi maintenant. Simplement, il faut attendre. Tu vas voir, il y a une raison là derrière, si tu ne l'as pas compris maintenant. On va donner des autres exemples pour ça aussi. Ça va venir, Inch'Allah. Et Allah Azza wa Jal dit, « Ayahsabu l'insan an yutraka suda » Regarde, quelle question. Interpellez la raison. « Ayahsabu l'insan an yutraka suda » Et toi, l'humain, tu crois qu'on va te laisser comme ça? Ça y est, on t'a créé, on t'a fabriqué. Alors, comme ça, ça va? Tu peux partir? Alam yakun nutfatan min maniyin yumna? Quoi? Tu dis quoi, toi? Une goutte de sperme. Une goutte de sperme, mais on fabrique tout à fait un homme. Pour rien. Imagine-toi. D'une goutte de sperme, je fabrique l'humain. La machine la plus compliquée dans le monde. Comme ça? Pour passer le temps? Abeth, pour rien. Et là, Allah Azza wa Jal qui dit, « Ayahsabu l'insan an yutraka suda ?»« Wach d'un had l'insan an akhliqtu safi ou mshi, rak tma kul ou shrub ou mouti ou salam alaikum. » T'as l'amr. « Alam yakun nutfatan min maniyin yumna ?»« Wach ma kat aqal shira kunti ghen tamani ?» Nukta min l'ma. نقطة من الماء في البطن لأمك وفي الصال والعينين وكل شيء وخرج هذا الإنسان يعني عبثا بدون فائدة sans but toute cette création. La raison, on vous a dit, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas un but. ثم كان علقة فخلق فسوى. C'était simplement un caillou de sang. Un caillou de sang. Imagine-toi ton origine dans le ventre de ta maman, un caillou de sang. Allez. Si tu tombes avant, tu vas où? À la poubelle. Hein, une fausse couche. Caillou de sang, tu n'as pas encore commencé à te diviser. N'embryon, rien du tout. À la poubelle. On ne veut rien. Dans un sac que tu jettes. Mais tu es divisé, construit, après ça fait des l'homme, etc. La tête, les yeux, les oreilles, le cerveau, les orons, le ventre, l'estomac, etc. Et tout ça, pour rien. Il n'y a pas de hikmah, il n'y a pas de sagesse derrière tout ça. Il n'y a pas de but, ma fiche hadaf. Ma chifi hikmah, hachi. لو أن الإنسان سقط من بطن أمه قبل إني كانت غير علاقة ها دم فقط أو قطعة من اللحم فين غتمشي إلى المزبلة ما يديروا في سكر بلاستيك صغيرة فيك سنتيم ولا ما كاملهاش كاع غير الزبالة ولكن مني خلاك الله عز وجل وخرجتي وركبك في هذا التركيب وأحسن الصورة ديالك كل شيء ما تم لا هدف لا حكمة لا والو هل هذا يعقل؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يا الله عز وجل دوسيت في سوختيغ لا فمال إمال بوكو عاود الزوجين بوكو فمال مال Il y a des naissances qui vont sortir de là. Regardez quelle fabrication.
Et ce n'est pas simplement dans les hommes, c'est tout l'univers, même dans les plantes. Pourquoi fumer le mal? La prise et l'affiche pour passer le corps. T'as l'affiche, mais tu fais quoi avec? Ah, la prise là, la femelle. Tu auras du corps. Et la prise, elle est là. Tu fais rien du tout, il n'y a pas la barrette. Quand tu fais la prise, tu auras quelque chose. Pourquoi Allah Azza wa Jal, limadha khalaq Allah Azza wa Jal, al-dhakar wa al-untha? Hakadha faqat, dhakar wa al-untha? La. خلقهم لأنها تم حكمة عود غيخرجوا ياخري الولاد آخري غيخرجوا آخري مخلوقات آخري من هاد الزوج والزوجة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إلى la dernière question, interpellation. Celui qui t'a fait sortir d'une goutte d'eau et qu'il t'a façonné de cette manière, est-ce qu'il n'est pas capable de te ramener encore en vie? Imagine-toi, je suis une goutte d'eau. Et quand on dit une goutte d'eau, est-ce qu'on le voit à l'œil nu comme ça? Un spermatozoïde. Parmi les milliards de spermatozoïdes. Une goutte d'eau, là, de manie, de sperme. Tu sais combien il y a de spermatozoïdes là-dedans? C'est des millions! Et ça fait des courses. Et toi, dans tous ces milliards-là, tu es un seul. Et on ne te voit pas encore. Et tu cours, hein? Et tu veux être le premier. Au départ, dans le spermatozoïde, tu veux être le premier. Arriver à l'œuf. Est-ce que celui qui t'a créé de cette goutte d'eau, il n'est pas capable de te ramener? Qu'est-ce qui est de difficile là? Qu'est-ce qui est de compliqué à comprendre? Ouais, je suis os puri. Va me ressaisir. Mais tu étais goutte rien. Alors, tu étais rien. Et maintenant, tu as des problèmes avec les os pour assembler les os? Oui, des problèmes à toi. Tu étais un spermatozoïde, par les millions de spermatozoïdes, tu étais absolument rien. Et qu'il t'a donné cette intelligence? Ça, c'est un argument très solide. Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a créé cet univers et cette personne humaine, Bachar? Pas de but, pas de hikma, pas de sagesse? Non. La raison nous dit non. Et les savants, ils te disent non. On ne peut pas dire que cette construction, de cette manière, bien calculée, bien à sa place, une machine, un horloge de tic-tac-tac-tac, il n'y a pas de but là-dedans. Celui qui a commencé à construire cette montre-là dès le départ, avec tout ce qui est à l'intérieur, il coupait, calculait, mesurait. C'était pourquoi? Quand elle a fini, il la met à la poubelle? Est-ce qu'il sera celui-là? Est-ce qu'elle sera sage, cette personne-là? Hein? Dans n'importe qui. Il fait la table, et il fait le vernis, etc. Il a fini. Ouais, mets-la dans le four. Brûle. Ah, c'est tout? Non, ça ne marche pas, ça. Un homme, il n'est pas normal. Alors, tu vois la femme, la pauvre, là, elle tricote, là, avec le crochet, là. Deuxième jour. Troisième jour. Mesurez. Et voilà, le pull, il est complet. À la poubelle. Il n'est pas normal. Alors, tu vois l'autre femme là avec le pull, il fabrique le pull, il mélange les couleurs. Il a fini, après, il prend le fil d'une. Il fait quoi là? Il a fait une semaine, deux semaines à faire le pull, et maintenant, tu te remets au la bobine. Elle a fini la bobine, on refait le pull. Tu fais quoi? Je m'entraîne, d'accord. Mais après, tu fais quoi à la fin? T'as un but là-dedans, quoi? Troisième argument. Al-adl al-ilahi. Al-adl. La justice de Allah. Allah est le juste.
On voit bien ici, dans cette justice-là, nous, humains, غادي نشوفوا هذه القضيه هذه. الا جبرتي واحد مثلا خرج واحد فينا من هنا وجبر واحد صمصم وكيتعدى على واحد الولد الصغير بالبنيات كيقول له نزول لك الفلوس ديالك ولا شي حاجه وداك البلد تي فا فير كوا تي فا غسونتر كونت توا ميم كيلكان كي تون تران دونك دو تاباسي ان انفون. Tu vas te révolter ou tu vas passer? Même si tu passes, tu as peur, d'accord. Mais en toi-même, je parle à l'intérieur. Est-ce que tu aimes cette image de l'injustice? Tu n'aimes pas. Tu aimes n'importe qui. Même pour un animal. Tu vois une personne là, il chute dans un chat. Quand tu vas voir cette image dans toi-même, comment tu vas réagir? Tu ne vas pas accepter. Quand on dit ou pas accepter, ce n'est pas que tu dois intervenir. Non. Simplement toi-même dire, c'est pas bien ça. C'est injuste. C'est méchant. Et dans l'année, il y a l'adl al-ilahi. Al-tarkib fin ahna al-insan. Bel hatta fil hayawan. Al-kachoufa fil hayawan. Hatta fil hayawan. كتجبر الانسان الى خرج الانسان وجبر شي واحد صحيح وكيضرب واحد الدري صغير وكيهلك فيه او لا بغى يزول له واحد حاجه داك الولد كيغوت كيفاش غتحس انت بداك ما غترضاش لان هذا ظلم وداخل فيك انت ولو ظالم لا كتشوف ان هذا الظلم وتبغي يكون فيه العدل بل حتى الحيوان الى جبرتي الانسان مثلا كيتعذب بواحد حيوان قط ولا شي كلب وكيضربوا بالحجر وديك القط كيغوت وانت كتشوف ديك الشيء غيعجب لك ديك الشيء ما يعجبلكش. الا عندك القدره غتدخل باش توقف هذا الظلم. علاش؟ لان داخل في التركيبه ديالك في العقل ديالك ما كيعجبلكش الظلم ولو انك انت ظالم. علاش؟ لان الله عز وجل اللي خلقك خلق فيك واحد الحاجه اللي كتسمى العدل. الله عز وجل كونت تا كري نو زا كري لا كري اون نو ميم كيلكو شوز كي سابيل لا جوستيس. لا جوستيس لا اون نو ميم. Et on voit dans cette justice là, ça peut faillir parfois. T'imagines que deux personnes se disputent. Et l'arbitre, c'est de la famille. De un de ces. Automatiquement, il va juger, donc, un peu penché vers la famille. Et il le sait. Cette justesse peut faillir. Chez nous, on l'aime, on veut le voir. Mais, dans notre faiblesse, on peut faillir à cette justice. هذا العدل اللي موجود في التركيب ديالنا. لكن احيانا هذا العدل اللي فينا حنايا شي مرات انه ما كيبقاش في المكان ديالو كيخرج. مثلا جوج الناس دابزو تخاصموا وجا واحد يحكم بيناتهم ولكن هذا اللي غادي يحكم من العائله ديالو واحد من هذوك اللي تخاصموا غادي يميل العائله وهذا يعرف داكشي ولكن علاش عارف انه العدل ولكن النفس ديالو والهوى ديالو والامور نتاعنا غاب على العدل. Et toute personne, الله عز وجل l'a créé sur cette justice, العداله. Et si on rassemble cette justice de tous les humains, même la justice qu'on peut trouver chez les animaux, si on ramasse cette justice ici, c'est simplement, c'est même pas une comparaison, on va dire, d'un millième, de millième, de millième, de millième, de millième de la justice de Allah Azza wa Jal. Moi, je n'aimerais pas voir quelqu'un, il est injuste en l'autre. Et c'est dans ma création, c'est dans mon fonctionnement.
Mais si on dit que cette justice-là, qu'on ramasse toute cette justice-là, et on la compare avec la justice d'Allah Azzawajal, c'est incomparable. هذا العدل هذا اللي انت كتحس به وانا كنحس به وكل واحد فينا كيحس بهذا العدل وكل واحد منكم شاف هذا الشيء ودار هذا الشيء كل واحد فينا شاف شي مره انه حاجه ماشي نيشان وتدخل في الامر قال له هذاك الشيء ماشي مزيان ظلم هذاك الشيء فإلا جمعنا هذا العدل نتاع المخلوقات اللي موجوده واللي ماتوا وديرناها مقارنه مع عدل الله عز وجل الخالق وما تمشي مقارنة يعني ما تظهرش هذا العدل فإذا كان هذا العدل ديالك وكتفهمه وكتقول له لابد يكون تما العدل فما بالك عدل الله عز وجل اللي خلق فيك هذا العدل سي توا تو غوسون كو سات جوستيس دوا ايتر فاي دوا ايتر بريزون بيرسون نا كونسبتري سات اون انجوستيس كي سا سوا مسلمان كي سا سوا كافير كي سا سوا نامبورت كي Alors imagine que celui qui l'a créé cet univers et qu'il t'a créé, que c'est lui-même qui a planté en toi-même, dans ta raison, cette justice. Automatiquement, lui-même, il est juste. Adil. Et là, en ce moment-là, on donne ici un exemple. Dans l'adl à ce moment-là, que tu dois récompenser la personne qui a fait le bien et punir la personne qui a fait mal. C'est automatiquement. Est-ce que tu peux imaginer une personne humaine qu'elle est bien dans sa raison, qu'elle n'aime pas le dhulm, l'injustice, et cette personne-là, il y a le mauvais et le bon. Est-ce qu'il va les récompenser tous les deux la même chose? Ça ne tient pas. Il ne peut pas le faire. Celui qui a fait le bien, tu vas le récompenser en bien. Celui qui a fait mal, tu vas le punir pour le mal qu'il a fait. Alors, si on connaît ça, cette justice-là, qu'on ne peut pas faire au même niveau le mal et le bien. Le juste et l'injuste. On ne peut pas le faire au même stade. On ne peut pas dire que celui-là, il a volé celui-là injustement, on le met en prison tous les deux. Ça ne tient pas. Ou alors je mets la victime, celui qui a été volé, je le mets en prison. Et celui qui a volé, je le libère. Est-ce que ça tient la route? Ça peut exister, mais je parle au point de vue de la raison. C'est injuste. Tu ressens toi-même si c'est injuste. Tu ne peux pas le mettre la même chose, au même stade. Alors si on comprend ça, que le... Sa personne qui a commis une injustice, il doit être puni. Et celui qui a été victime, il doit être récompensé. Lui donner ce qu'il doit. Alors, si on sait ça, que cette justice en nous-mêmes, est-ce qu'elle est kamila, elle est complète? Ou il peut faillir? Pour avoir une faillance dedans. Dans notre justice, on peut faillir. On peut donner... emprisonner la victime, ça se passe par des raisons de l'argent, donc de la famille, etc. Et je fais à l'envers. Ça existe cette faillance-là. Cette justice, on la reconnaît, mais on peut faillir. Idn had al-adal li fi nahnaya, ou m'amnin biha, ou m'oujouda fi fil-jasad diana. Lakin had al-adal, imkin ikun fiha khalal, ou imkin annaka ta'aqib al-maghloum. وتجازي الظالم بل يمكن أنه بسبب هذه الشهوات نتاع الدنيا إلى غير ذلك أو العلاقة بين الشخص والشخص أنك هذا مظلوم غديره في الحبس
والظالم غتقول له انت موجود هادشي؟ نعم موجود. علاش؟ لان هاد العداله اللي فينا حنايا خسرناها حنايا، ما نقدروش نديروها بسبب الشهوات ديالنا والهوى ديالنا. Cette justice qui est en nous-mêmes, on ne l'a pas complète, infaillible, à cause de notre faiblesse. Mais la justice de Allah Azza wa Jal, est-ce qu'elle est fiable? Il peut dévier? Non. Car Allah Azza wa Jal, il est kamil, complet, dans cette justice à lui. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on va besoin, on aura besoin de cet argument. Alors Allah Azza wa Jal, si on dit que la justice de Allah Azza wa Jal ne peut pas faillir, il est juste. إذا قلنا أنها العدالة الموجودة بين البشر أنها يمكن أن يكون فيها خلل وضعف، نعم، ولكن عدالة الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه ظلما أو ضعفا. يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Est-ce qu'il pense, Allah Azza wa Jal interpelle encore, est-ce que vous pensez que les personnes qui ont fait le mal et celui qui a été victime ou il a fait le bien, que dans ce bas monde ils seront la même chose et après la mort aussi ils seront la même chose, au même stade, ça ne va pas. Comment vous jugez? Comment vous jugez que celui-là, le mal et le bien, on les mettra au même stade dans la vie après? Où est-ce qu'il est la justice dans tout ça? Où est-ce qu'il est la justice? Aïn al-adala? Allah Azza wa Jal dit aussi: Afanaj'al al-muslimina kal-mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun. Ça aussi, c'est des phrases, parfois on dit, on va faire ceux-là qu'ils ont cru, au même stade de ceux-là qu'ils n'ont pas cru. Comment on fait ça? Dans ta vie, si tu as cru, l'autre il a mis cru. Vous allez le même stade de vie, de tranquillité, de santé, de l'argent. Après la mort, vous serez aussi dans le même stade. C'est quoi alors? Pourquoi croire ou pas croire? Non, ça ne va pas. Allah Azza wa Jal dit non, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de justice là-dedans. De les mettre au même stade. Et quand on dit au même stade, on parle de ce bas monde et après aussi. Parce qu'il y a des choses qui seront ici, ils auront le même stade. Mais est-ce qu'à l'infini, ils seront toujours la même chose au même stade? Ou il y a une justice après? Regardez ça. Allah Azza wa Jal dit aussi: وَنَضَعُ الْمَوَازِنِ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Il y a une injustice qui est passée de ce bas monde. Quelqu'un qui a volé, qui l'a tué injustement. On n'y a rien fait, les morts. Elle est dans sa tombe finie. Peut-être on lui a fait une grande tombe, elle a des grandes fleurs, etc. Et on lui fait la fête chaque année. C'est tout celui-là, c'est fini? Il a tué des gens? Il a volé les gens? Il est mort? C'est fini? Et alors, ceux-là qui l'a volé, ceux-là qui l'a tué injustement, ils font quoi alors ceux-là? Ils sont morts aussi, c'est fini? C'est la même chose? Alors, si c'est la même chose, il n'y a pas d'adala. Vous n'acceptez pas l'adala à ce moment-là. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que dans nous-mêmes, qu'ils soient mécréants ou musulmans, que vous aurez tous dit non, celui-là qui était injuste et qui est mort, il devrait payer? C'est pas possible que celui-là, le roi ou le président ou un chef ou un dictateur, il a tué des millions de personnes, ils sont tous morts. Mais il n'y a pas une injustice qui a été faite. Et vous devez dire, nous, humains, il doit y avoir une justice. Si on le rattrape vivant, on le remet en prison, on dit voilà, c'est fait. Là, c'est fait, à sa place. Il a pillé sa faute.
Mais non, il est mort avant qu'on l'attrape. Il a mangé l'argent des gens. Et alors, ils sont morts tous les deux, le pauvre, le victime et l'autre là. Vous acceptez ça? Ou vous redites, non, celui-là, j'aurais voulu qu'il soit ressuscité, tous les deux, il lui donné ce qu'il doit à l'autre. Car il y a un manque d'injustice là-dedans. N'a pas été fait. Allah Azzawajal dit, attends, le jour du jugement, là on va ramener la justice. Et ce jour-là, personne ne sera lésé. Personne. Alors celui-là qui a fait le mal, qui était injuste, et celui-là qui était victime, ils sont morts. Et celui-là, la victime, n'a pas pris son droit. Et celui qui a fait le mal n'a pas été puni. Le jour du jugement, automatiquement, il doit avoir une justice. Et pour dire qu'il doit avoir une justice, il faut dire qu'il y a une vie après. Il y a une vie après. Car vous n'acceptez pas que cette personne-là, elle est morte sans avoir ce qu'il dit. Et que l'autre n'a pas été puni. Vous n'y aimez pas, vous ne voulez pas le faire. Demandez aux mécréants. Il y en a un qui a tué une personne injustement. On ne l'a pas puni. Il est mort. Et on l'a enterré. Et celui qui a été victime, qui a été tué, on lui a fait une petite tombe. Et celui qui a tué, celui qui a été criminel, on lui a fait une grande tombe avec des fleurs. Vous acceptez ça? Si vous avez le pouvoir en main, que vous pouvez ressusciter les gens, vous allez faire quoi? Vous allez les ressusciter tous les deux pour donner ce droit à l'autre. Alors Allah Azza wa Jalla te dit oui. Il y a ce jour-là. S'il n'y a pas ce jour-là, Allah n'est pas juste. Exemple de ça. Vous êtes en voyage. Aïdan Kulna, Al-Adl, Al-Ilahi, Al-Kamil, Ida Hadr Insan Glum, ou Tadda Al-Nas, ou Ktel Adad Min Al-Nas, ou Ktel Ghir Wahad, Volman ou Oudouanen. Abdahi Al-Limat, Ormao Filmokbara ou Shimokbara Sfira. أما هذاك اللي قتل وكان عنده القوة وعنده السلطة داروا له مقبرة وزوقها وداروا فيها كذا انتهى الأمر. غيبغي إنسان معقل البشر يقبل هذا الشيء؟ لو أنك أنت إنسان وقال لك أنك عندك القوة عندك القوة تحيي هاد الناس تحييهم ولا ما تحييهمش؟ تحييهم. علاش؟ باش تعاقب هذا الظالم اللي قتل عدوانا باش تجازيه بالعقاب ديالو اللي كيسر وباش تعطيه حقوق لهذاك. اذا انت كتمنى هذاك الشيء اي نعم وقلنا ان الله عز وجل عادل اذا لا بد منطقي ان هناك بعد الموت عدلا والا الله عز وجل ماشي عادل. ليكزومبل سي vous êtes dans un pays et vous vous promenez comme ça dans le pays là, ou dans une ville hein? Et vous trouvez dans cette ville là toutes les routes sont bien propres, l'asphalte à la place et des lumières partout où vous vous promenez et vous voyez ça, vous avez tiré la conclusion de quoi? Que parmi les règles de ce pays-là, ou les règles de cette ville-là, que toutes les routes doivent être bien éclairées et bien asphaltées et bien propres. Qui vous a dit ça? C'est ce que vous voyez. Vous voyez que partout où vous êtes, les routes sont propres. Il n'y a pas de trous. Et les lumières partout. C'est-à-dire que la commune qui gère cette ville-là, dans son statut que la ville doit être comme ça. Autrement, pourquoi elle l'a fait? Et vous êtes en plein promenée, vous rentrez dans une route et vous trouvez les poteaux par terre,
pas de lumière dans une route. Vous allez dire quoi? Que cette route-là, il va être fait aussi. Que ces poteaux vont être redressés et bien mis à sa place. Et qu'il y aura de la lumière et cette route va être réglée. Pourquoi? Qui vous a dit ça? Je l'ai compris. Donc toutes les routes, elles sont bien. Il y a de la lumière, il n'y a pas de raison que cette route-là, parce que la commune, dans ses lois qu'il a fait, c'est comme ça. Cette route-là, ils ne sont pas encore arrivés. Il va en la faire. Que c'est dans ses règles, dans sa loi. Vous avez compris ça? Maintenant, celui qui a créé l'univers, et nous, tout est à sa place. Le soleil est à sa place. La terre, elle est à sa place. Dans nous-mêmes, tout est à sa place. Tout est juste, bien calculé. Comme il a dit Einstein, Allah Azza wa Jal ne joue pas des dés. Tout a été posé à sa place, millimétré, calculé. Dans l'univers, il y a une justice. Et il y a une règle que tout a sa place et que tout est bien. Et ça, on le trouve dans tout. On le trouve dans les animaux, dans les plantes, dans tout l'univers, tout est à sa place. Je vais regarder le soleil, comme on a dit, à sa place. La terre, à sa place. Les yeux, à leur place. Les doigts à leur place, les ongles à leur place, les cheveux à leur place, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose. Dans cet univers qui est tout à sa place, il a choufna had al kaun hada, kul haja fi mahalia, wa makalia, kul haja wa anda al hikma diela. Al shams fi makan diela, wal arf fi makan diela. والجسد الإنسان كله مركب على حساب متقن حساب في محله العينين واليدين وكل شيء إذن هذا الكون مركب حسابيا ويعني الحساب الكامل والعدل الكامل والحكمة الكاملة إلا في هذه الدنيا فيها خلل واحد وشكون دار هذا الخلل البشر وشكون هذا الخلل اللي في الكون لانجستيس الظلم كتشوف هذا التركيب ديال الكون مزيان ولا ماشي مزيان مركب نيشان لكن هذا الظلم الموجود on voit cet univers qui est conçu de cette manière juste et sage mais dans cet univers il y a quelque chose qui est pas normal un manque il manque de quoi de la justice. Il y a des gens qui sont injustes. Il y a une faillance dans cet univers. Il manque quelque chose de cet univers. Il y a des gens qui ont commis des crimes, qui n'ont pas été punis, qui sont partis. Il y a des victimes qui sont morts, qui n'ont pas pris leurs droits. Qu'est-ce qu'on a dit sur la route là? Je rentre dans une commune. Tout est à sa place. Les routes là, propres, n'importe quelle route. Sauf une route. Je fais mon analyse que cette route là va être faite aussi de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est la règle de la commune. Quand nous avons dit que toute la ville que vous êtes entrée dans elle, vous avez fait les chouaris, vous avez fait اي شارع دخلتيه جبرتيه منظف ومعدل بالضوء كل شيء ما فيه شي شارع فيه حفار وفيه كذا ولكن في واحد الشارع جبرتيه فيه باقي ما فيهش الضوء والطريق باقي كتستنشج كتفهم ان هذا الطريق ما تقدرش تبقى هايده شكون قال لك ما تقدرش تبقى علاش ما تبقاش لان قانون ديك الدوله او قانون ديك المدينه ان الطريق ستكون فيها الضوء تكون معدله اذا هذا الطريق راه غتعدل بسبب القانون ديالو إذن اللي خلق الكون عادل ولا ماشي عادل عادل إذن هذاك اللي ظلم ومات
وهذاك المظلوم اللي مات غيتعدلو ولا ما يتعدلوش؟ ولو مات غيتعدلو، لان القانون هو هذاك. alors si on prend ici maintenant l'exemple de la ville qui dans sa loi qu'elle doit toutes les routes doivent être éclairées et bien arrangées. Sauf on a vu une route qui n'a pas été faite, on tire la conclusion que ça va être fait parce que c'est dans sa loi. Dans la loi de Allah Azza wa Jal le Créateur, comme on sait nous-mêmes, on aime cette justice. Alors est-ce que le Créateur, le juste, la personne qui a commis des crimes, qui était injuste et est mort, n'a pas été puni? Et la victime qui n'a pas, vous croyez qu'il ne sera pas jugé? Il sera jugé. Mais ils sont morts, oui, ils sont morts, mais ils seront jugés. Pourquoi? Parce que c'est la règle du Créateur. Non. Le verset, comme on a cité tantôt, qu'Allah Azza wa Jal, il dit, Am hasiba, le Créateur, il nous le dit, Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at, an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu as-salihat, sawa mahyahum wa mamatahum. Est-ce que ceux-là qu'ils ont fait de bien et de mal, ils seront au même stade dans leur vie et après? Sa'a ma tahkumun, votre jugement n'est pas bien, mauvais ce jour de jugement. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. يا الله عز وجل إلى كريز لسيو إلى تير. من توت فيريتي. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Car toute personne sera récompensée d'après ses actions et personne ne sera lésé dans l'affaire. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On reprendra, Inch'Allah, le cinquième argument, Inch'Allah, بإذن الله. Donc le jeudi prochain, bismillah, naktafi bihadha al-qadr inshallah, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alayk.